الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثامن في قراءة الكتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهما الله. Nous sommes le 31 janvier 2014 et ceci est le 8e cours de l'étude des invocations et rappels, le livre du Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah. Nous sommes dans le chapitre concernant les paroles à dire au moment de se coucher. La semaine dernière, nous avons lu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille à son noble compagnon Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, lorsqu'il lui dit qu'au moment de se coucher, qu'il fasse ses ablutions, se couche sur le côté droit et prononce les paroles que l'on a étudiées la semaine dernière. On a vu l'importance de cette invocation. Il passe à une autre formule de rappel qui sont relatées dans la Sunna. Celle-ci est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, selon Hudhaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم disait lorsqu'il voulait dormir. Donc, il se couchait, sallallahu alayhi wa sallam, et prononçait les paroles suivantes. Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et vis. Wa idha staiqadha min manamihi. Puis lorsqu'il se levait après le sommeil, il disait, قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui s'effectuera notre retour. وَفِي لَفْظٍ, et dans une variante du même hadith, كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait ces paroles lorsqu'il allait prendre sa couche, lorsqu'il allait se coucher, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire lorsqu'il entrait sous sa couverture, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre variante, وفي لفظ آخر كان إذا أخذ مضجعه وكلها بمعنى واحد. Et toutes les variantes sont à la fin du même sens. C'est donc une invocation qui est courte par ces mots, mais qui est immense dans le sens, puisqu'elle renferme la aqida du muslim, notamment la croyance en la mort et ce qu'il y aura après la mort. Ceci est un pilier de l'iman, de la foi, la croyance au jour dernier. Et les savants ont dit que la croyance au jour dernier implique de croire à tout ce qui adviendra après la mort. Comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Et nous l'avons dit plusieurs fois, que ces formules de rappel, tout le temps, sont rattachées à la croyance au dogme, à la foi du musulman. On y trouve, alaykoum salam, les noms, les attributs d'Allah, on y trouve la croyance que le musulman a, que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou envers autre, parmi tous ceux à quoi Allah azza wa jalla nous a ordonné de croire. قَوْلُهُ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَيْ بِسْمِكَ يَا اللَّهُ وَالْبَاءُ لِلِسْتِعَانَةِ وَالْمَعْنَى أنام مستعينا بك طالبا حفظك راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك. Lorsque tu prononces ces paroles, بسمك اللهم, بسمي, c'est en ton nom, ô Allah, la lettre ba,
qui est utilisée ici dans ta parole, bismi, bi, cette lettre a un sens. Elle-même, elle a un sens, qui est la demande d'aide à Allah Azza wa Jal. Lorsque tu vas entreprendre quelque chose, tu vas commencer en disant Bismillah, au nom d'Allah. Lorsque tu dis au nom d'Allah, c'est-à-dire que tu demandes, tu sollicites l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse t'accorder la réussite ou bien la facilité dont tu as besoin pour réussir ce que tu entreprends. C'est pour cela que dans beaucoup de hadiths, on retrouve à chaque fois Bismillah, que ce soit avant de manger, en entrant à la maison, en entrant à la mosquée, avant d'accomplir des rapports avec l'épouse, et bien d'autres situations encore où il nous est demandé de dire Bismillah. D'ailleurs, de manière globale, on peut même dire que ces termes sont à répéter à chaque fois que l'on entreprend quelque chose. Pourquoi? Parce que on demande l'aide d'Allah en disant Bismillah, au nom d'Allah. C'est-à-dire, je demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui demande également de me protéger, de m'accorder sa protection contre tout mal. Donc lorsque tu vas te coucher, tu te couches au nom d'Allah, tu te couches en demandant l'aide d'Allah, la protection d'Allah, l'assistance d'Allah, car tu n'es qu'un serviteur. Et le serviteur ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce qu'un seul instant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Wala takilni ila nafsi tarfata ayn » et ne me laisse pas m'en remettre à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Car si Allah tabaraka wa ta'ala te laisse t'en remettre à toi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tu seras voué à la perte sans le moindre doute. « Fa'idha nimta tasta'inu billah » تطلب العون من الله على هذه أو على هذه النوم. En allant te coucher, tu demandes qu'Allah t'aide pendant ce sommeil. وقوله أموت وأحيا. Puis lorsque tu dis, c'est en ton nom Allah que je meurs et vis, pourquoi tu parles de mort à ce moment-là et de vie également? C'est ce que tu vas voir. أي أنا على هذه الحال ذاكراً لسمك فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. C'est-à-dire, oh Allah, je cite ton nom avant même de dormir, car je te demande l'aide, comme vous venez de le voir. Tant que je suis vivant, j'évoquerai ton nom. Et c'est en ton nom également que je mourrai. Il y a ici une allusion au fait que le musulman ne peut en aucun cas se passer du rappel d'Allah, que ce soit pendant son sommeil ou lors du réveil, et à toutes les situations qu'il rencontre. فَهَا هُوَ عِنْدَ النَّوْمِ يَخْتِمُ أَعْمَالَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وعند الانتباه يكون أول أعماله ذكر الله ثم هو في جميع أحيانه محافظا على ذكر الله فعلى ذكره سبحانه يحيى وعليه يموت وعليه يبعث يوم القيامة. On voit ici que le serviteur d'Allah Azza wa Jal va se coucher en citant le nom d'Allah. Il termine ses actions de la journée avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Puis quand il se réveille, comme on le voit dans ce hadith, la première chose qu'il va citer va être le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque instant de sa vie, il lui est demandé de citer le nom d'Allah sur lequel il vit et sur lequel il meurt et il sera ressuscité. Wa fi qawlihi bismika Allahumma amutu 'inda iradati an-nawmi dilalatun 'ala anna an-nawma yusamma mawtan wa yusamma wafah. On voit également la preuve que le sommeil est appelé mort. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, c'est en ton nom Allah que je meurs et vis. Alors qu'il est vivant, il ne va que dormir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il a parlé de la mort, car le sommeil a un lien et une ressemblance avec la mort. Le sommeil est appelé mort, c'est une petite mort.
إن كانت الحياة موجودة فيه ومن ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. On retrouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal ce verset selon le sens rapproché. Allah est celui qui reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas au moment de leur sommeil. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal reprend les âmes des gens qui meurent, il ne leur rendra pas. Mais il reprend aussi les âmes des gens qui dorment. Soit il leur rendra, soit il ne leur rendra pas. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Il garde l'âme de laquelle il a décrété la mort. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Quant à l'autre, il la renvoie vers un terme fixé. Donc, au moment de dormir, Allah tabaraka wa ta'ala reprend l'âme de son serviteur. Puis, il rendra l'âme à qui il décidera de rendre la vie ou laisser en vie. Et il gardera celle duquel il a décrété la mort. Et combien de gens ont quitté combien parmi les gens ont quitté les siens en disant « à demain ». Ils n'ont jamais connu le lendemain et ils sont morts en dormant. Donc le sommeil, c'est une mort. On l'appelle d'ailleurs al-mawtatu sughra, la mort mineure. ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. C'est pour cela que après le réveil, qu'est-ce que il dit sallallahu alayhi wa sallam, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Donc ce n'est pas la traduction littérale. Si je traduis littéralement, je dis la louange est à Allah. Mais le sens qui est voulu, c'est toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Yushiru ila an-nawm. Il fait allusion au sommeil. Quand il se réveille, il dit que les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, alors qu'il est vivant. De quelle mort est-ce qu'il parle? Il parle du sommeil. Sallallahu alayhi wa sallam. Kana alayhi al-insan. Wa an-na'imu yushbihu al-mayyit. لأن الحركة فيه تتوقف والتمييز يذهب ولهذا كان التكليف عنه مرفوعا حتى يستيقظ من نومه. Celui qui dort, le sommeil ressemble à la mort dans plusieurs aspects, parmi lesquels le fait que il n'y a aucun geste. Ça ressemble à quelqu'un qui est allongé et qui est mort. Il ne fait aucun geste. Bien sûr, dans la plupart des cas, en général, celui qui dort ne fait aucun geste. Aussi, il n'a plus le discernement. Il ne fait plus le discernement entre le bien, entre le mal. Il dort. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rufi al-qalamu an thalatha. La plume a été levée de trois individus. Ay rufi al-taklif an thalatha. C'est-à-dire que les injonctions divines, les ordres, les interdits sont ôtés, retirés de trois types d'individus et parmi lesquels an-na'imu hatta yastayqiz, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. La yakunu an-na'imu mudhniban. Celui qui dort n'est pas dans le péché. Si par exemple pendant son sommeil, il est amené à faire un geste qui va conduire à quelque chose d'interdit. Il va toucher à quelque chose, peut-être d'interdit. Il va casser quelque chose. Il va faire telle et telle chose qui sont interdites. Est-ce qu'on va dire de lui qu'il est asim, qu'il est dans le péché? On ne dira pas ça parce qu'il dort. Et celui qui dort n'est pas dans le péché. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لِأَنَّ النَّائِمْ يُشْبِهُ الْمَيِّتَ وَالْمَيِّتَ لَا ذَنْبَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ طَبْعًا. Celui qui dort ressemble à celui qui est mort. Et celui qui est mort n'a pas de péché. Nous parlons ici après sa mort, pas les péchés qu'il a eu de son vivant. وَالنَّوْمُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ وَحْدَهُ لِلْعِبَادَةِ. Et le sommeil est un signe parmi les signes d'Allah,
qui montre qu'il est le Créateur, qui montre sa toute-puissance et qu'il est le seul à mériter l'adoration. وَالتَّأَمُّلُ فِي النَّوْمِ يَكْفِي لِلْإِنسَانِ. Le simple fait de méditer le sommeil et rien d'autre. وَآيَاتُ اللَّهِ عَدِيدًا لَا تُحْصَى. Les signes d'Allah sont très nombreux, indénombrables. Le simple fait de méditer sur le repos et le sommeil est un signe immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا تَجِدُونَ آيَاتٍ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ فِي النَّوْمِ. C'est pour cela que vous allez trouver beaucoup de versets dans le Coran qui font référence au sommeil. حَتَّى يَتَفَكَّرَ الْإِنسَانُ وَيَتَأَمَّلُ. Ceci afin que l'homme médite et réfléchisse. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الَّذِي لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Allah Azza wa Jal est le vivant par excellence. Il ne mourra jamais et il ne connaît ni le sommeil ni la somnolence. النوم معروف والسنة هو النعاس والنعاس ليس النوم النعاس مقدمة النوم هذا هو النعاس هذا هو السنة الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم الله عز وجل ne touche ni par le sommeil ni par la somnolence. Et on retrouve dans Ayat al-Kursi sinatun. Sinatun, c'est la somnolence. Si tu veux que ça soit plus clair, il y a des médicaments, lorsque tu les avales, qu'est-ce qu'il t'arrive? On te demande de ne pas conduire. Pourquoi? Parce que tu es pris par la somnolence. Mais ce n'est pas le sommeil, tu ne dors pas. Mais tu es pris par une fatigue que tu n'arrives pas à vaincre. Ceci est la somnolence. Et le sommeil, c'est connu. Allah Azza wa Jalla a dit « وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ. Il dit dans Surat Ar-Rum, selon le sens du verset, et parmi ces signes, مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ, parmi ces signes dans sa création, مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, votre sommeil de nuit et de jour. Le sommeil de manière générale, lorsque vous dormez, le simple fait de méditer sur le fait de dormir, le sommeil, est un signe d'Allah Azza wa Jal. وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ أي سَعْيُكُمْ لِلتَّكَسُّبِ وَلِلْحُصُولِ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ وَنِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et votre recherche de sa grâce, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal. تَنَمُ فِي اللَّيْلِ, tu dors la nuit. لَا تَسْمَعُ صَوْتًا مُزْعِجًا هَذَا هُوَ الْغَالِبِ. Tu n'entends pas de son qui te dérange à ce moment-là, sauf chez les gens qui ont inversé la nature saine et qui vivent la nuit au lieu de vivre le jour. Donc ceci est un signe d'Allah, tu dors la nuit. Et puis le lendemain, tu te lèves. Et qu'est-ce que tu fais? تَبْتَغِي فَضْلَ اللَّهِ تَبْحَثْ عَنِ الرِّزْقِ تَتَكَسَّبْ تَشْتَغِلْ. Tu cherches la subsistance d'Allah. هَذِي آيَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ. C'est pour cela qu'Allah termine le verset en disant, selon le sens, certes, ceci est un signe pour un peuple qui entend. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Et quand Allah Azza wa Jal dit pour un peuple qui entend, il ne parle pas que de l'oreille. أَيَسْمَعُ بِقَلْبِهِ. Il entend avec son cœur. Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Nous avons destiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. لِمَاذَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَا يَفْهَمُونَ. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Ceux-là sont comme les bestiaux. بَلْ هُمْ أَضَلُّ, plus égarés encore. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْغَافِلُونَ. Ces gens-là sont les insouciants. Les savants ont dit dans ce verset que ces gens-là ont des oreilles, ils entendent. يَسْمَعُونَ الْأَصْوَاتِ وَيَرَوْنَ الْمُبْصِرَاتِ.
Ils voient les choses, ils entendent les sons, mais ce qui est voulu par ça, c'est qu'ils refusent d'entendre le haq. Et Allah Azzawajal a dit: Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Et ceux qui ont mécru ont dit: N'écoutez pas ce Coran, n'écoutez pas cette récitation. Walghaw fihi, irfa'u aswatakum. Irfa'u aswatakum idha sami'tum al-qira'a, qulu ilghaw fihi min al-laghw la'allakum taghlibun. Et faites du bruit quand il est récité afin que personne ne l'écoute. وهو ايضا من رحمه الله تعالى بعباده حيث جعل لهم وقتا يستريحون فيه ويستجمون كما قال سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اي لتسكنوا في الليل الهدوء والسكينه ولتبتغوا من فضله هذا في النهار ولعلكم تشكرون. Allah Azza wa Jal a dit, selon le sens du verset, et parmi sa miséricorde, c'est-à-dire pour vous, les serviteurs d'Allah, parmi sa miséricorde, il vous a assigné la nuit et le jour, afin que vous y soyez dans le calme. Ici, on parle de la nuit. Et que vous cherchiez ses grâces. On parle du jour. Ainsi, vous serez reconnaissants. Également, parmi les effets bénéfiques du sommeil, anna an-nawma yudhakkiru al-insana bil-maut alladhi huwa nihayatu kulli insan. Le sommeil rappelle à l'homme la mort, qui est la fin de chacun, et que la fin de chaque individu vivant sera la mort. Nihayatu kullu hayy al-maut illa al-hayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, sauf le vivant par excellence qui ne connaîtra jamais la mort. Puis au réveil, il y a une preuve de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-istiqad al-qiyam min al-layl dilala aw dalil ala qudrati Allah 'azza wa jalla yab'ath al-ajsad an-na'ima. On voit la preuve qu'Allah est puissant, il est capable de réveiller les corps. Subhanahu wa ta'ala, médite juste sur le sommeil. Tu t'allonges, tu attends, et ton corps s'éteint partiellement. Il s'éteint, tes yeux se ferment et tu ne contrôles pas ça. Et tu as besoin de ce sommeil. C'est pour cela qu'il y a des gens qui souffrent de l'insomnie. Ils en souffrent parce qu'ils ont besoin du sommeil. N'est-ce pas? Si bien qu'on a fait des médicaments pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils ont besoin. وهذا معنى قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكلنا عباد لله عز وجل تحت قهره. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah sous la domination d'Allah. La preuve, c'est que quand tu souffres d'insomnie, tu es totalement perdu. Tu es perdu jusqu'à ce que tu puisses te reposer. Et le sommeil est un signe d'Allah. Celui qui médite sur le sommeil verra un signe largement suffisant pour revenir à Allah, pour l'obéir. Subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, lorsqu'il se réveille, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Il loue Allah Azza wa Jal. An-nushur huwa al-ba'th yawm al-qiyamah. Ce qui est voulu par le retour, c'est la résurrection, le jour du jugement. C'est que Allah Azza wa Jal redonnera la vie à toute personne après la mort, même aux animaux. Et donc il y a un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit: Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yanam wada'a yadahu tahta khaddihi al-ayman wa yaqul اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il allait dormir, en plaçant sa main sous sa joue droite, on a vu dans le premier hadith la semaine dernière qu'il fait partie de la sunna de s'allonger sur le côté droit, et ici on voit qu'il fait même partie de la sunna de mettre la main droite sous la joue droite.
puis de dire « Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak »« Oh Allah, protège-moi et ihfadni min azabak »« Yawma tab'athu nas »« Protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs »« Ibadak » »« Sawa un kan al-mu'minin aw al-kafirin fahum ibaduka kulluhum » Tahta qahrik. Ils sont tous les serviteurs d'Allah, qu'ils soient croyants ou mécréants, car ils sont sous la domination d'Allah, Azza wa Jal. Et ceci est à dire une fois, dans le livre Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, on voit qu'il faut le dire trois fois. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Il ne faut le dire qu'une fois. Comme l'a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il a corrigé ce hadith. Rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana fihi hamdullahi ala hadhihi al-ni'mati al-azimati wal-minnati al-jasima wa hiya al-ihya'u ba'da al-imata. Lorsque tu loues Allah au réveil, tu le loues pour ce bienfait immense, le fait qu'il t'ait redonné la vie après cette mort qui est le sommeil. Et donc, lorsque tu dors, tu ne peux plus adorer Allah. إذا نمت عندما تكون نائما لا يمكنك أن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فهذا يمنعك من عبادة الله. Lorsque tu dors, tu es empêché d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, pour avoir des hasanat, des récompenses, tu as besoin d'être réveillé. Et lorsqu'Allah te réveille, tu vois le bienfait qu'Allah t'a donné puisqu'il t'a permis de faire des bonnes actions qui te feront gagner la récompense. C'est pour cela que tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith qui est en relation avec ceci. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un d'entre vous va se coucher, qu'il prenne son izar. Et le izar, c'est le vêtement qui était porté et qui est aussi porté aujourd'hui par certaines personnes, qui va habiller le bas du corps. Le izar, c'est ce qui ressemble à une jupe pour la femme. Mais pour l'homme, c'est comme, vous voyez le vêtement de l'ihram? Le vêtement de l'ihram, ce que tu mets en dessous, hada izar. Le vêtement que tu mets en dessous, c'est comme une grande serviette que tu, avec laquelle tu entoures le bas de ton corps, du nombril, as-surra, jusqu'en bas, au-dessus des chevilles, faq al-ka'bayn, kama huwa ma'ruf. Ceci s'appelle al-izar. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit de prendre l'izar, de frotter avec le lit, car il ne sait pas qui a pris cette place quand il s'est absenté de cet endroit. Et peut-être qu'il va l'expliquer plus tard. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, Bismika Rabbi wa da'atu janbi. C'est en ton nom, oh Allah, que j'ai posé mon flanc. Janb, l'insan lahu janb ayman wa janbun aysar. وَإِذَا نَمْ وَضَعَ جَنْبَهُ عَلَى السَّرِيرِ. L'homme a le côté droit et gauche. Lorsqu'il dort, il se pose. C'est au nom d'Allah qu'il pose son flanc. وَبِكَ أَرْفَعُ. Et c'est en ton nom que je me lève, que je lèverai mon flanc. إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي إِذَا مَتَّنِي وَقَدَّرْتَ عَلَيَّ الْمَوْتِ فَارْحَمْهَا إِرْحَمْ نَفْسِي. Si tu me gardes l'âme, c'est-à-dire si tu me donnes la mort, alors fais miséricorde à mon âme. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا أَيْذَا تَرَكْتَنِي حَيًّا. Et si tu laisses mon âme repartir à nouveau dans la vie, فَاحْفَظْهَا. Préserve-la. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ
عبادك الصالحين, par ceux avec quoi tu protèges tes serviteurs pieux. فالله عز وجل يحفظ عباده الصالحين. ومثله كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إن أخذ مضجعه, أي إذا أوى إلى فراشه إذا نام, قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها, أنت تميتني, لك مماتها ومحياها, إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها, اللهم أسألك العافية. فقال له الرجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam muslim rapporte selon Abdullah ibn Umar qu'il a ordonné à un homme quand il va se coucher de dire ces paroles. Ô Allah, tu as créé mon âme, mon être, c'est toi qui m'as créé et c'est toi qui me donneras la mort. À toi appartient la mort et la vie de mon âme. موتك وحياتك بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إن أحييتها فاحفظها. أنت تختار عز وجل. C'est toi qui choisis. Si tu décides d'accorder la vie à mon âme, alors préserve-la. وإن أمتها فاغفر لها. Et si tu lui donnes la mort, pardonne-lui. اللهم إني أسألك العافية. والعافية الحفظ من كل سوء. Et tu demandes à Allah عز وجل de t'accorder le salut, la protection contre tout mal. L'homme a dit à Abdullah ibn Umar, as-tu entendu ces propos de Umar, c'est-à-dire de ton père? Abdullah a dit, je les ai entendus de meilleur que Umar, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On trouve donc, dans ces hadiths, une preuve claire que l'âme de chacun d'entre nous est dans la main d'Allah, سبحانه وتعالى فهو الذي أوجد الروح من العدم وخلقها وخلقها بعد أن لم تكن. C'est lui qui a donné vie à l'âme après le néant qu'elle était, elle n'existait pas. وهو سبحانه الذي إن شاء أمسكها حال نوم الإنسان فيصبح في غداد الأموات. S'il veut, il retient les âmes et l'homme rejoindra le nombre des morts. وإن شاء أرسلها فيبقى الإنسان بذلك على قيد الحياة. S'il veut, il rend les âmes et alors l'âme reste vivant. C'est pour cela qu'il a dit لك مماتها ومحياها. À toi appartient la mort et la vie de mon âme. أي أن ذلك بيدك تحت تصرفك وتدبيرك. أي تفعل ما تشاء بروحي وبنفسي وبحياتي وموتي. C'est-à-dire tu fais ce que tu veux de mon âme. Tu lui donnes la vie et la mort quand tu veux. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est légiféré aux musulmans, dans cette situation, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger. S'il lui décrète la mort ou la vie, de lui demander la miséricorde, qu'il ait pitié de lui pardonner. S'il lui décrète la mort. Dans le hadith de Abu Huraira, on trouve in amsakta nafsi farhamha, si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde. Wa in arsaltaha fahfadhha, et si tu lui donnes la vie, tu lâches, tu lui rends la vie, préserve-la avec ceux avec quoi tu préserves tes serviteurs pieux. Et on retrouve aussi dans l'autre hadith. Donc le musulman doit prononcer ces paroles qui sont légères dans la langue, mais qui ont un énorme sens. Et aussi le musulman, quand il va se coucher, il doit se rappeler du retour. إِذَا نَامَ الْإِنسَانُ قَبْلَ النَّوْمِ يَتَذَكَّرُ الرُّجُوعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il se rappelle du retour à Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a préparé pour Allah عَزَّ وَجَلَّ. Beaucoup de gens, quand ils vont dormir, ils pensent يُفَكِّرُونَ فِي هُمُومِ الدُّنْيَا. Il pense aux soucis de ce bas monde, si bien que beaucoup d'entre eux ne trouvent même pas le sommeil. Mais est-ce que l'un d'entre nous, un jour, n'a pas trouvé le sommeil à cause de la peur d'Allah, Azza wa Jal? كان بعض السلف
لا يجدون النوم بسبب خوفهم من النار فيقوم فينقلب الواحد منهم يمينا وشمالا على فراشه ثم يقوم يتوضأ ويقول اللهم منعتني النار من النوم ويقوم الليل ويصلي. Un des pieux prédécesseurs s'allongeait et il se tournait de droite à gauche, de gauche à droite. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil, il était soucieux. Il s'est levé, a fait ses ablutions et a dit « Oh Allah, l'enfer m'empêche de dormir ». Et il a passé le reste de la nuit à prier Allah subhanahu wa ta'ala, nasallahu an yashfiya qulubana. Et aussi il doit se rappeler, comme il se rappelle du retour à Allah, il se rappelle des jours passés. يتذكر الأيام السابقة الأيام السالفة التي مضت. Les jours qui sont passés et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il disait plutôt avant de dormir كان يقول كان إذا أوى إلى فراشه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي هذا تذكر الأيام السابقة أما إن أمسكت نفسي فارحمها نعم إن أمسكت نفسي فارحمها هذا يتذكر المصير. Donc tu vois, avant de dormir, tu te souviens du retour à Allah, on vient de le voir, mais tu te souviens aussi des jours passés. Ici, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a nourris, abreuvés, qui nous a suffi, c'est-à-dire contre tout mal, qui nous a aidés, protégés, donnés, et abrités, wa awana a'tayna saqfan, et دارا وبيتا نسكن فيه وكثير من الناس يسكنون في الشارع وفي خارج منهم من يموت بالبرد بالجوع بالأمراض التي لا يجدون لها دواء وأنت تجده يوميا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit loué soit Allah qui nous a nourri, abreuvé, suffi et abrité. Combien sont ceux qui n'ont personne pour les suffire ni abriter? Et ça, on va le voir après, il va l'expliquer. Donc on voit l'importance de se rappeler de tous ces bienfaits, particulièrement au moment du sommeil. Une autre invocation que le Cheikh va citer ici, Rawa Muslim rahimahullah fi sahihihi min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أي إذا آوينا إلى فراشنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء عظيم عظيم جدا. Cette invocation est immensément magnifique. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses compagnons qui allaient se coucher de dire, et vous le trouvez dans les citadelles, dans les livres d'invocation, donc selon le sens, la traduction, « Oh Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur du trône immense, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses, celui qui fait fendre la graine et le noyau, celui qui a fait descendre la Torah, l'Évangile et le discernement, c'est-à-dire le Coran. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toute bête dont tu as le toupet,
dans ta main. Tout cela va être expliqué, inshallah. Oh Allah, tu es le premier, rien ne fut avant toi. Tu es le dernier, il n'y aura rien après toi. Tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Et c'est toi le caché. Donc ça, je l'expliquerai directement au moment venu. Parce que la traduction, c'est pas simple. Viens nous en aide dans nos dettes et enrichis-nous après la pauvreté. Donc, comme on a dit, c'est une... Nous l'avons dit, c'est une invocation dans laquelle on retrouve des formules de ce qu'on appelle At-tawassul fihi tawassulatun azima, immense. Et At-tawassul, c'est le fait de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala en employant un moyen légiféré par Allah azza wa jal, parmi les moyens qui nous sont légiférés par Allah pour le solliciter, pour lui réclamer, pour l'invoquer, l'invoquer en citant ses noms et attributs. Allah Azza wa Jalla a dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Et Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ceci, par ses noms. Ce qu'on appelle التوسل, c'est solliciter Allah, lui demander quelque chose en employant un moyen. Ici, on parle des noms des attributs d'Allah Azza wa Jalla. On y voit la seigneurie d'Allah, Ar-Rububiyya, et qu'il est le seigneur de toutes choses, des sept cieux, de la terre, du trône immense, qu'il a fait révéler et descendre les livres, le Coran, l'Évangile, la Torah, qu'il a pris soin de ses serviteurs. Et ensuite, on demande, on fait les demandes, parmi lesquelles demander de protéger contre les dettes, de venir en aide pour régler les dettes, et aussi d'enrichir après la pauvreté. Premièrement, Allahumma rabba as-samawati wa rabba al-ard wa rabba al-arsh al-azim. Oh Allah, on a déjà expliqué Allahumma ma'nahu ya Allah. Oh Allah, rabba as-samawat, le seigneur des cieux. Wa rabba al-ard, seigneur de la terre. Wa rabba al-arsh al-azim, et le seigneur de l'immense trône. C'est-à-dire, يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها من العدم. Ô toi qui as créé ces créatures immenses, qui leur a donné existence après le néant. Ces choses-là n'existaient pas. انظر إلى السماوات الواسعة الكبيرة العظيمة قبل وقت لم تكن شيئا. Elles n'existaient pas, ces créatures, ces cieux, ces terres et tout ce qu'Allah Azzajal y a créé n'existait pas. Qui a créé les cieux, la terre sans précédent? Allah Tabaraka wa Ta'ala. فهذا يدل على قدرة الله العظيمة. Allah Azzajal خلق السماوات والأرض. Il a créé les cieux et la terre. Alors que nous, on n'a même pas créé une mouche, l'aile d'une mouche. Allah Azzajal a dit: يا أيها الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Ô vous les gens, un exemple, une parabole vous est proposée. Écoutez-la attentivement. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créent même pas une mouche, même s'ils s'unissaient tous. يعني, حَتَّى إِذَا اجْتَمَعَ مِنْ أَوَّلِي من أولهم إلى آخرهم الناس والجن أجمعين مع الملائكة مع الحيوانات مع كل مخلوق لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة واحدة. سبحان الله. Même si les hommes, les djinns, les anges, des premiers jusqu'au dernier, toutes les créatures avec les animaux, chacun vient avec son intelligence, avec sa puissance, avec tout ceci, pour créer une mouche, il n'arriverait pas à le faire. لو اكتفى ربنا بهذا لكفانا ولكن زاد. Si Allah Azza wa Jal se contentait de nous donner cette information, elle sera amplement suffisante. Mais il va plus loin. Il dit: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Même si la mouche
s'emparent de quelque chose leur appartenant, ils ne pourraient pas la rattraper. يَأْتَأْتِ الذُّبَابَ فَتَقَعُ عَلَىٰ أَحَدِنَا. La mouche vient, elle se pose sur l'un d'entre nous. Peut-être que tu as une blessure. Elle vient parce qu'elle voit le sang. Elle te prend ce sang et elle vole. Tu ne pourras pas la rattraper. Même si tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal s'unissaient pour la rattraper, ils ne pourraient pas. Et Ibn al-Qayyim rahimallah a cité d'autres explications parmi lesquelles les mouches qui viennent sur les divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah, qui ont parfumé, ils leur mettaient du parfum et les mouches s'approchaient, prenaient, aspiraient de ce parfum. Personne ne peut rattraper cette mouche. Da'ufa talibu al-matloub. Celui qui demande et le demandé sont faibles. Donc celui qui invoque autre qu'Allah est faible. Celui qui est invoqué en dehors d'Allah Azza wa Jal est faible. Ma qadar Allah haqqa qadri. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ma arafu qadar Allah Azza wa Jal. Alaykum salam. Inna Allah la qawiyun aziz. Certes, Allah est le fort, le tout-puissant. Subhanahu wa ta'ala. انظر الفوائد العظيمة التي نأخذها من ذكر الله سبحان الله. Regardez les immenses leçons que nous tirons à l'étude des invocations d'Allah سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل في قوله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ولهذا يستجيب الله عز وجل لأنك تدعوه وأنت تعرف معنى دعائك وربك يرى من قلبك الصدق فيجيبك. Subhanahu wa ta'ala. Allah te répond parce qu'il sait que tu demandes. Tu sais ce que veut dire ta demande. Ton cœur est plein de véracité, de sincérité. Il répond à ta demande. Subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ خَصَّ هَذِي الْمَخْلُوقَاتِ بِالذِّكْرِ لِعِظَمِهَا وَكِبَرِهَا وَلِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالدِّلَالَاتِ الْبَاهِرَاتِ عَلَى كَمَالِ خَالِقِهَا وَعَظَمَةِ مُبْدِعِهَا وَإِلَّا فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا فِيهَا آيَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَى كَمَالِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ. Le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de citer les cieux, la terre et le trône immense, car ils sont des créatures immenses. Elles sont très grandes. Mais sinon, dans les autres créatures d'Allah, on y trouve un signe. Ceci, tout de suite après, il dit « Notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses ». Donc il a cité particulièrement trois créatures, les cieux, la terre, le trône. Ensuite, il a englober toutes les créatures en disant « Notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses ». C'est une généralité après une tarsis, une spécificité ou partie, non, spécificité. « Wa qawluhu rabb al-arsh al-azim » Lorsque tu dis « le Seigneur du trône immense », cela nous montre que le trône est une créature qui est immense. وَالْعَرْشُ أَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ. La plus grande de toutes les créatures, c'est le trône d'Allah. وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit le kursi par rapport au arsh, le siège par rapport au trône, la différence dans la taille, al-farq baynahuma fi al-wus' wa al-kibar, dans la grandeur, dans la vasteté. Il dit que c'est comme si al-kursi était un anneau en fer, une bague, un anneau en fer, et le arsh un désert. Imagine-toi jeter un anneau en fer au milieu du désert. Tu ne pourras même pas le retrouver tellement le désert est immense. Le arsh d'Allah Azza wa Jal est à cette image-là, par rapport au kursi. Et dans Ayat al-Kursi, qu'est-ce que tu retrouves ? Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal-ard. Le siège a englobé dans sa grandeur, a embrassé les sept cieux et la terre. Wa ma'a hadha al-kursi alladhi wasi'a as-samawat as-sam'a
Wal-ard, avec ceci, ce coursi dont nous parlons, dont la taille a pris les cieux et la terre, par rapport au arsh, n'est comme un anneau jeté dans le désert. Subhanallah. Imaginez-vous alors la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on ne parle pas de demander comment est. On parle de connaître la grandeur d'Allah. Car quand on parle l'asma wa sifat, des noms et attributs, on doit être précis. Barakallahu fikum. Wa qawluhu faliq al-habbi wa nawa. Puis lorsque tu dis, toi qui fais fendre la graine et le noyau, min al-falaq. Wa al-falaq huwa al-shaq. Wa minhu qawluhu ta'ala, qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Wa ya'ti ba'd inshallah. Alladhi yashuqqu حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع. Donc lorsque l'on dit celui qui fait fendre le noyau, la graine et le noyau, c'est-à-dire que au début tu as un noyau que tu mets sous la terre, الزارع, le cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des graines, il les met en dessous de la terre et il attend. Au début c'est une graine. Elle est en dessous de la terre. Il met de l'eau. Il travaille la terre. Il retourne la terre. Et après, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle est solide, n'est-ce pas? Si bien que tu y marches. Tu marches sur la terre. Elle est solide. Al-ardu thabita qawiyya. Anta tamshi alayha. Mais ce noyau va être développé par Allah en dessous de la terre. Puis petit à petit, des feuilles vont sortir de la terre. Yanshaqu al-ard. La terre se fendit, elle s'ouvre légèrement, et qu'est-ce qui sort? Une fleur ou une feuille verte. Subhanallah. Toi, tu marches sur la terre, elle ne bouge pas, et pourtant elle s'ouvre pour laisser sortir la feuille verte. هذا يدل على قدرة الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. Et à la fin, cette plante va devenir un arbre. Cet arbre va avoir des branches, il va s'élever, il va vivre peut-être 100 ans. Subhanallah. Alors qu'au début, ce n'était que des graines en dessous de la terre. Donc, invoquer Allah par ce nom-là, ou par cet attribut-là, a une grande valeur. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. Allah عز وجل a dit: Allah fait fendre la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et fera sortir le mort du vivant. Voici qui est Allah. Ainsi, comment êtes-vous donc écarté? Puis tu dis, Munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Wa Munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Toi qui as fait descendre la Torah, l'Évangile, et الفرقان. الفرقان هو القرآن. سماه الفرقان لأن بالقرآن تفرق بين الحق والباطل والخير والشر. فهو فرقان. تفريق بين الخير والشر. Le فرقان, le discernement, c'est le Coran. On l'a appelé ainsi car avec le Coran, on discerne le bien du mal, on distingue le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc c'est une façon de se rapprocher d'Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait descendre ces livres immenses, azza wa jal, qui sont la parole d'Allah, la parole dans laquelle on retrouve la réussite de chacun d'entre nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa khassa hadhihi al-kutub al-thalatha li annaha a'zamu kutubin anzalaha Allah. Puis on a cité ces trois livres car ils sont les plus grands livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَتَّبَهَا تَرْتِيبًا زَمَنِيًّا. Et il a cité ces livres dans l'ordre de révélation. D'abord l'évangile, al-Torah, la Torah. Ensuite al-Injil, l'évangile. Ensuite al-Furqan, c'est-à-dire al-Qur'an. Et vous savez qui ont reçu ces livres parmi les prophètes. Et on voit ici dans cette parole دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. Que le Coran est la parole d'Allah. Et ce n'est pas une créature. Pourquoi? Regarde, tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
dans l'invocation, Rabba, le Seigneur des cieux, de la terre, du trône immense. Rabbana wa Rabba kulli shay, notre Seigneur, le Seigneur de toutes choses. Faliq, celui qui fait fondre. Kullu hadha yata'allaqu bil khalq. Walakin lamma dhakara al kutub qala munzil. Mais quand il a cité les livres, il n'a plus fait mention de création, de faire fondre, mais il a cité le fait de faire descendre. Parce que ce n'est pas une créature, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, et donc c'est une réfutation au genre de l'innovation qui disent que le Coran est créé. À la fin, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها. Je cherche ta protection contre le mal de toute bête dont tu as le toupet dans ta main. النصيه مقدمه الراس هي الجبهه. النصيه, le toupet, c'est le front, le haut du front. Tout ceci pour nous dire que toutes les créatures sont sous la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, on va passer à la demande. Dans la première partie de cette invocation, il n'y a pas de demande. Maintenant ici, on va demander. Qu'est-ce qu'on va demander? La protection d'Allah contre le mal de toutes choses. وَالدَّابَ هِيَا كُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ. الدَّابَ, ce qui est voulu par دَابَ, la bête, c'est tout ce qui se déplace sur terre ou circule sur terre. Et ceci, que ce soit l'être humain, les animaux ou autres. Non, les êtres humains ou les animaux. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِمَّا. Allah a créé toutes les bêtes à partir d'eau. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Il y a des bêtes qui avancent sur leur ventre, parmi lesquelles le serpent, الحية. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. مِنْهُمْ أَنْتَ. Certains avancent sur deux jambes, c'est-à-dire l'homme. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. Et d'autres marchent sur quatre, parmi lesquels les animaux, comme les chiens, les chevaux. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah crée ce qu'il veut. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أنت آخذ بناصيتها فيه دليل على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهر الله عز وجل. On voit la preuve que toutes les créatures sont sous la domination d'Allah عز وجل. Allah تبارك وتعالى a dit au sujet de son prophète Hud عليه السلام, قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Hud a dit à son peuple quand il l'a appelé Allah Azza wa Jal, j'ai placé ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Pas, il n'y ait pas une bête sans qu'il n'ait dans sa main son toupet. Mon Seigneur est sur un droit chemin. Puis il dit, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, rien après toi. Tu es le premier, rien avant toi. Le dernier, rien après toi. L'apparent, rien au-dessus de toi. Le caché, on va l'expliquer. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est le premier. Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas de début. Subhanahu wa Ta'ala. Et ça, huwa aqidatu ahli sunnati wal jama'a. An Allah Azza wa Jal huwa al-awwal, laysa qablahu shay. Lam yalid Azza wa Jal. Allah n'est pas né. Et rien n'a été avant lui, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-akhir, la yamut, wa kullu man 'alayha fan, c'est le dernier, il ne mourra pas et tout ce qui est autre que lui va périr, va disparaître, subhanahu wa ta'ala. Al-zahir, l'apparent, hadha bima'na annahu a'la min khalqihi 'azza wa jalla, li'anna al-zahiriyya sifatun min sifati Allah tabaraka wa ta'ala. الظاهر أي الذي فوق كل شيء كما قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. C'est toi l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. L'apparent, ce qui est voulu, c'est qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. C'est toi le caché, al-batin, wal-batin ou bima'na al-qarib. فهو يدل على قرب الله بعلمه من مخلوقاته. C'est-à-dire celui qui est proche par sa connaissance de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas se cacher d'Allah,
tabaraka wa ta'ala, iqdi anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te venir en aide pour tes dettes. Et les dettes, wad-duyun, les dettes, ce qui est voulu par les dettes, ce sont les dettes que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou les dettes que tu as envers les gens. Toutes ces choses-là, tu te dois de demander l'aide d'Allah. Wa arnina min al-faqr, enrichis-nous après la pauvreté. Et donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te protéger contre la pauvreté. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.